Bonjour mes louloutes, bonjour mes loulous. Alors, ça va être une toute petite vidéo. Je vous ai très souvent parlé de la chaîne de Béadi qui m'inspire énormément en ce moment. Et elle nous avait donc fait un tuto sur des boîtes avec des bâtonnets de glace. Et ensuite, elle nous a fait un tuto pour créer une boîte en forme de cœur avec du carton et des bâtonnets de glace. Aussitôt vu, aussitôt adopté, donc j'ai fait la boîte. Alors j'espère, Béadi, mon professeur préféré, que tu vas être très très fier de moi. Donc je vous montre ça. Donc voilà, donc c'est bien en forme de cœur. C'est un cœur qui est renversé. Hein. Hop. C'est un cœur qui est renversé. Donc j'ai pris du carton. Elle vous expliquera beaucoup mieux que moi. Donc j'ai pris du carton dans lequel j'ai fait la forme de cœur. Donc on en fait deux évidemment. Ensuite j'ai mis de la toile de jute, donc un fin ici, comme ça. J'ai mis ça en toile de jute par-dessus. Et puis on met les bâtonnets de glace tout autour. Et alors, notre Béadi nous dit bien, quand vous faites attention, quand vous voulez le faire, de bien mettre vos papiers dans le bon sens pour que on n'ait pas ce que moi j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai mis un papier dans ce sens-là, un papier dans ce sens-là, parce que comme mon cœur n'est pas parfait, j'ai pas fait attention à les collants, donc j'étais obligée de les mettre comme ça, sinon ben, le cœur il aurait été brinque-ballant. Donc, il fallait bien que je trouve une solution, bien entendu. Et quand j'ai participé au concours de la chaîne La Mouta, j'ai gagné le deuxième prix. Et dans le lot, il y avait ces magnifiques engrenages en bois de chez Noz que certaines d'entre vous avaient eu. Nous, en Belgique, on n'a pas de Noz, donc je n'ai pas eu ces engrenages. Et j'étais tellement contente de les avoir que je me suis dit, ben, profites-en. Et du coup, de l'autre côté, eh bien, j'ai utilisé les engrenages. J'ai passé à la peinture gold et ensuite avec la Primark. Attends, c'est pas Primark, c'est Stax. Donc pour lui donner des reflets. Et j'ai évidemment collé de petits cœurs, des petites clés. J'ai remis de la toile de jute tout autour. Et ici pour le fermer, enfin c'est pas pour le fermer parce que ça ne ferme pas, mais j'ai remis un petit engrenage ici que je n'ai fait qu'avec la peinture Spark et j'ai mis des petits cœurs puisque la boîte est en forme de cœur. Oups là! Une clé parce que j'aime les clés. Et alors ici une petite horloge puisque ça rappelle les engrenages, les horloges, etc. Et alors voilà, ça s'ouvre comme ça. Hein. Et ça se ferme comme ça. Donc voilà ma boîte en forme de cœur qui est quand même grande parce que elle fait 20 cm, un peu plus de 20 cm de haut et en largeur elle fait 20 et demi. Donc on peut y mettre quand même pas mal de choses. Voilà. C'était une toute petite vidéo, mais pour montrer, je suis très contente de ma petite création. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.